soir, ici et chez vous, Jean-Luc Lemoine. Ouais. Isabelle Alonso. Ouais. Sophie Garel. Ouais. À la place de l'intellectuel pour la première fois ce soir, Stevie Boulet. Ouais. Perry Cochin. Ouais. Et Annie Lemoine. Ouais. Ben alors, Stevie. Qu'est-ce que vous faites là de ce côté-ci à la place de Gérard Miller? Bah, je sais pas, je vais m'y faire, on évolue, hein. Ouais. On m'a parachuté jusqu'ici. Ah, ça, ça se voit, parce que vous avez encore des... On a bien parachuté Jack Lang à Boulogne, pourquoi pas moi sur France 2 à la place de l'intellectuel? Bah, voilà. Tiens, bah voilà, bah voilà, ouh, du don! Voilà. Il commence très fort. Référence politique. Ouais. Et le CAC 40, Stevie? Ça se dégrade. Oh, dites donc, Isabelle Alonso, hein, ça évolue aussi chez vous, je trouve. Ah, pas du tout. Ah bon? C'est toujours les mêmes. Ah bon? On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, bah, moi non plus, rien n'a changé, c'est pas la peine. Et toi non plus, tout n'a rien changé. Il y a toujours rien à regarder. Voilà. Eh oui. Eh oui. Mon petit Jean-Luc, je compte sur vous pour remplir tous les rôles ce soir. Hein. C'est-à-dire. Vraiment c'est-à-dire tous. À la fois un petit peu les tenir, ces deux filles-là que vous avez là, jouer un peu l'intellectuel de service. Alors aussi. Alors là, j'aime bien dire que le service public est malin. Si je dois jouer l'intellectuel. Quant à Perry, vous la muselez de temps en temps aussi. Ça va être difficile. Oh, c'est la museleur publique, lui. Hein. Mais. Oh. Oh. Yeah. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle de Nicolas Sarkozy, dont un sondage Ipsos réalisé pour Le Vrai Journal nous dit que plus d'un Français sur deux serait prêt à voter pour Nicolas Sarkozy à la prochaine présidentielle. Et je suis sûr que le ministre de l'Intérieur a déjà réalisé ce photomontage pour chez lui. Sinon, on lui offre. Regardez. Hein? Ça lui va pas mal quand même, non? Non? Pas d'accord, Isabelle. 56% des Français sont prêts à voter Nicolas Sarkozy en 2007. Eh bien, il en reste encore 44 qui sont raisonnables. Hein. Vous dites, pour habillé comme ça, pour, comme un président, mais c'est pas la tenue d'un président, ça? Si, bien sûr. Ah bon? Ben, je ne savais pas. Ah, ça part en couille très vite, l'intellectuel. Hein. Ce sera donc pour 2007, peut-être, mais attention, 2007, c'est loin. D'ici là, les choses peuvent changer. Peut-être que pour être sûr de gagner, il faudrait que Nicolas Sarkozy épouse Bernadette d'ici 4 ans. Regardez comme elle est belle en photo dans le magazine Hola. Ce n'est pas un photomontage, hein, c'est Madame Chirac au mariage de la fille du baron Albert Frère. Comme quoi, la canicule a peut-être tué certaines personnes âgées, mais le ridicule, pas encore. Vous la trouvez bien? Elle a un petit ensemble déstructuré, look un peu SDF rapiécé. De luxe. C'est le chapeau. Moi, je le trouve pas ridicule, ce chapeau. Ah bon? Non, c'est un mariage. J'avais le même la semaine dernière. C'est bien ce que je disais, alors. Et puis, c'est un mariage, c'est normal qu'elle mette une pièce montée. Passons à la revue de presse des dessins humoristiques. On commence par un dessin nous représentant Monsieur Raffarin. C'est dans Marianne, un dessin de Mric. Pourquoi la Pentecôte plutôt que le 1er mai? Jean-Pierre Raffarin s'explique sur son choix. Je préfère encore négocier avec Dieu qu'avec Blondel et Thibault. Logique. Dans l'Humanité, le dessinateur Charb préfère lui s'attaquer au président Chirac. Que fait Chirac pour les pompiers et les vieux? Je vais aux enterrements. La fameuse scène de Vinci revue et corrigée par le dessinateur Delambre. Surenchère aux attentats en Corse, le partage du pain de plastique. C'est joli. C'est un peu loin de l'original. Hein. Non, et puis ça passe. Y a pas que Vinci qui l'ait faite. Bien sûr. Le Titien, le Tintori, ils en étaient plusieurs à manger à l'œil. Attends, vas-y, prends la place de Stevie. Potus, dans Le Canard enchaîné, nous explique la signification du sigle du parti de Jean-Pierre Chevènement. C'est que maintenant, c'est le MRC, et voilà ce que ça veut dire. MRC, mouvement réduit à Chevènement. Le
Fred Touron pour le canard enchaîné nous entraîne dans une pharmacie et on voit une maman dire à proposer des 70 médicaments qui ne sont plus remboursés que sur la base des médicaments génériques. On voit une maman dire au pharmacien « Donnez-moi quand même du Lexomil, ma fille demande que des marques. » C'est bien. Vous acceptez les médicaments génériques quand les pharmaciens vous en proposent? Bah oui. Oui. Bah oui, oui. Mais toi, tu prends plus de Lexomil, hein? Non, mais pour Lexomil, c'est un cas spécial. Il y a un effet placebo aussi. C'est-à-dire que les gens qui prennent ça sont des gens flippés, angoissés. Et je pense qu'ils ont besoin de la boîte verte et de la marque, effectivement, pour déstresser. Donc, Isabelle, c'est vrai ça? Annie a raison. Il y a beaucoup, en particulier les personnes âgées, sont attachées à leurs médicaments de manière un petit peu fétichiste. Et quand vous leur changez la marque, ils trouvent que ça leur fait moins d'effet. Pas toutes les personnes âgées, parce que j'ai vu un type l'autre jour qui demandait du Viagra dans une pharmacie. Il a, bah, à la place, il a dit une branlette. Ça ira très bien. Dans Charlie Hebdo encore, Willem résume la situation en Irak. On voit un Américain face à un Irakien qui lui dit « Vous ne comprenez rien à notre culture en Irak ». Et l'Américain dit bah, « Du shit chez nous, ça se fume ». Stevie, la situation des shit en Irak. Eh bien, je pense que George Bush aurait mieux fait de s'abstenir avant d'attaquer l'Irak parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de civilisations en fait. Et maintenant, c'est un bordel parce que c'est vrai que les chiites sont majoritaires. Et maintenant, il ne sait plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'il a, maintenant, il va demander de l'aide aux Nations Unies. Et j'espère que les Nations Unies vont lui refuser et qu'il se démerde tout seul et qu'il reste dans la merde puisque c'est lui qui l'a semé. Voilà. Oh, bah alors ça, alors là. C'est facile. Il fout le bordel dans un pays. Mais et vous après, avez loué une chambre de bonne chez Miller ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et la merde en anglais, ça se dit shit. Exact. Faut le savoir. Rançon, le dessinateur du Parisien, s'est intéressé lui au mécontentement des automobilistes de la capitale, bloqués en ce moment, vous le savez, dans les bouchons à cause des travaux du futur tramway. Et on voit un automobiliste qui dit « La seule consolation que je trouve à la construction du tram, c'est que les écologistes à bicyclette vont se casser la gueule sur les rails. » Vous êtes pour le tram dans Paris? Oui. Ouais. C'est pas dans Paris, c'est autour de Paris. Comment ça? Bah, je crois. Ah, autour, mais dedans. Bah, c'est à l'intérieur du périph', donc c'est dans Paris. Oui, mais bah, ça fait le tour de Paris, c'est pas encore demain qu'on va voir passer le tram, passer oh, de la Concorde. Je croyais qu'il traversait, moi, la capitale. Ça aurait été génial. Il faudrait faire un détournement de tram. Ça alors? Mais à quoi ça sert alors? Parce qu'il y a déjà le périph'. Eh bah, ben, c'est plus rapide. Oui, non, mais le périph', faut avoir une voiture en même temps. C'est vrai. Pétillon dans Le Canard Enchaîné nous explique qu'Arafat cherchait un ministre qui ne discute pas. Et on voit Arafat qui dit « C'est Raffarin qu'il me faudrait. » Il serait mieux de chercher une plante. Allez, on termine par un petit dessin de Philippe Geluck. Juste un petit poisson de l'océan Indien. Oh. C'est mignon. Pendant que Perry se refait une beauté, je peux peut-être lancer le sujet suivant, cher Perry. Montrez aux téléspectateurs comment vous faites. Montrez, montrez. Comme chez le toiletteur. Voilà, Quoi? Entre chaque sujet, Perry... Oui. Il faut reconnaître que ça change tout, Perry. Allez, le sujet suivant, petit futé. Vous qui avez l'habitude de ne pas payer vos billets, bien bientôt, vous allez moins faire les malins. Oui, car avec la loi du 15 novembre 2001, qui s'appelle la loi sécurité quotidienne, les resquilleurs sont désormais très sévèrement punis. Ceux qui totaliseront plus de 10 contraventions sur une période d'un an encourront, écoutez bien, jusqu'à 6 mois de prison ferme et des amendes allant jusqu'à 7 500 €. Lundi dernier, 21 personnes ont été condamnées durement et elles n'auront plus l'occasion de tricher. Il faut dire qu'il n'y a pas de train à Fleury-Mérogis. Thierry Marquet, qui aime tricher, il a resquillé pour faire cette caméra cachée. Il est passé juste devant Bollander au dernier moment. Eh bien, Thierry Marquet s'est fait botter le train. Il a testé pour nous mettre les resquilleurs en prison. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, Thierry Marquet, j'ai testé mettre les resquilleurs en prison. Vous avez votre ticket, vous? Enfin, vous voyez bien, je suis leur avocat, non? Je veux pas le savoir! Mais c'est un avocat! Là, ils sont 12 heures en prison mobile. Hein. Mais ils ont resquillé, ils ont resquillé. C'est-à-dire qu'on est en train de contrôler, ils n'avaient pas de billets sur eux, donc c'est la prison directe. Ça fait 3 heures qu'on est enfermés. On n'a pas le droit de montrer des gens comme ça en cage, on est plus au 18e siècle. C'est lamentable. On veut humilier les gens, nous, hein. C'est ce qu'on cherche à faire, pour qu'ils ne recommencent pas, d'une part, et que les gens qui voient ça ne fraudent pas non plus. Vous n'avez pas le droit, vous, de rendre la justice. Dans combien de temps je vais sortir? Moi, j'ai pas resquillé dans le métro, tu vas faire quoi? C'est 12 heures, monsieur. Honnêtement.
C'est 12 heures. Tu me mets dedans 12 heures là. On la soulève la cellule. Tu me mets 12 heures là. Mais non, mais vous avez pas, vous avez pas resquillé, vous avez pas pris le bus. Je te balance ton bordel là. Tu me mets 12 heures là dedans. Non, je fais qu'appliquer les règles, monsieur. C'est pas normal ça. Je fais pas ça à mon chien. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler. Bonjour madame, bonjour. En fait je vous explique, c'est une prison mobile pour les fraudeurs. Ah oui, mais c'est la première fois de ma vie depuis que je suis née que j'ai vu ça, avant ça n'existait pas. En fait les gens qui fraudent, on les met en prison pendant 12 heures. Oh c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais c'est le prix à payer madame. Ah, moi je trouve que c'est honteux, ça me crève le cœur. Après on leur fait payer une amende, mais on les libère ce soir à 23h. Oh bah tant mieux, alors ça me soulage. C'est honteux, monsieur, c'est honteux. Mais attendez, mais sortez-le, mettez-vous à sa place, vous allez voir 12 heures, même 1 heure, même 5 minutes. Moi, j'appuie que la loi. Un gars qui est dans une cage comme si on était au zoo, mais attendez, mais non, 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 non. C'est honteux, c'est dégradant, ça va pas. Mais c'est fait pour ça, madame. Il faut que ce soit dégradant, sinon les gens continuent à frauder. Là, les gens vont s'arrêter, là. Mais attendez, mais ils le fraudent, c'est pas un crime. On n'est pas à Fleury-Mérogis non plus, là. Mais attendez, putain, mais il y a des cages, il y a des barreaux, je comprends pas. C'est pas une cage, c'est une prison mobile. Attendez, vous le sortez, moi je lui paye son amende. Non, je sais pas. Ah, c'est trop tard, madame. Vous réalisez la différence entre le délit de 2, 3, 4, 5, 8 euros, on en a rien à foutre. Et c'est la peine d'être 12 heures enfermé dans une cage. Madame, on est en train de lui payer le déjeuner quand même. Regardez. Mais mangez-le sans. Si vous le voulez, mangez-le sans. Moi j'ai mangé déjà. Comme si vous étiez au zoo. Ça me fait mal au cœur. Je vous jure, ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais on n'est pas en République, c'est pas possible, c'est pas ça, on n'est pas en démocratie. Monsieur, c'est quoi ça? Bonjour. Et ça, c'est autorisé ça? Oui, bien sûr, oui, c'est la RATP. C'est légal ça? Oui, tout à fait. En France, c'est légal ça? Monsieur. C'est une honte. Putain, c'est une honte. Putain, mais attends, mais moi je travaille à la RATP, moi je cautionne pas du tout ça, moi. Stevie, j'ai pêché. On m'a dit que vous avez souvent resquillé dans le TGV entre Le Mans et Paris ou entre mais Paris et Le Mans. Bien. Non mais c'est vrai, je fais mon mea culpa, ça m'est arrivé souvent, je ne le fais parfait, plus. Parfait, parce qu'autrement c'était la prison, Stevie. Ah ben ouais. Non mais moi, attention, ça c'est pour les gens qui essayent vraiment de frauder. Moi je ne voulais pas frauder, je montais dans le TGV pour éviter la foule. Et quand il y a le contrôleur qui passait, je lui disais, excusez-moi, j'ai pas pris de billet. Mais comme la trois quarts du temps, il ne passait pas. Tu n'as pas essayé la formule carte d'abonnement, toi qui fais tout le temps Paris-Le Mans, Le Mans-Paris? Bah non, il n'y a pas de truc comme ça. Ah oui, ça est sûr. Comment il n'y a pas de truc comme ça? Ouais, mais j'ai plus d'avantages avec la carte 12-25 ans. Ah, ça s'est envoyé, dis donc. On va accueillir une avocate qui, il faut le dire, en début de semaine, a défendu un fraudeur. C'était lundi dernier, justement. Elle s'appelle Cécile Crestel. Elle va tout nous raconter. Bonsoir madame, bonsoir maître, je devrais dire. Alors, 21 personnes, hein, c'est ça, moi le chiffre déjà, sont passées en même temps, sauf qu'elles n'étaient pas toutes là, devant le tribunal lundi dernier, pour, on va dire, fraude habituelle, c'est ça? Exactement, voilà, comme vous l'avez dit en début de reportage, donc une nouvelle loi a été votée en 2001, elle n'a pas été... Une loi Jospin, hein, d'ailleurs, exactement, hein, c'est pas du tout monsieur Sarkozy, hein, parce qu'on dit toujours, alors Sarkozy, non, ça date du gouvernement Jospin. Exactement, donc 2 ans plus tard, cette loi est mise en pratique, effectivement lundi, devant le tribunal correctionnel de Paris, 20 personnes ont été citées. 2 seulement se sont présentées, dont mon client. Donc c'est vrai que c'était un mérite déjà de se présenter à l'audience. Sur ces 20 personnes, à peu près une dizaine, une quinzaine ont eu une peine d'emprisonnement ferme parce qu'elles ne se sont pas justement présentées à l'audience. Mais ça veut dire qu'on va aller les chercher? Donc ce qui veut dire que cette condamnation est effective. Si un jour, au cours d'un contrôle d'identité, une garde à vue, un contrôle de police, elles sont interpellées et c'est inscrit dans leur fichier, on leur notifiera la décision et à ce moment-là... Ils iront en taule. Ben oui, mais... Non, ils pourront faire justement, il y a des voies de recours quand on se présente pas. Est-ce qu'on se ment pas la queue parce qu'ils ne sont pas venus au tribunal, d'accord, mais peut-être c'est parce qu'ils ne voulaient pas frauder encore une nouvelle fois. Exactement. Pour aller au tribunal. Ouais. Et sinon, on leur a reproché, donc... À nouveau. Ben voilà, c'est ça, voilà. C'est difficile. On peut, exactement. Parce que ceux qui fraudent, ils fraudent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils fraudent. Alors c'est vrai que la loi le prévoit, il faut quand même une dizaine de condamnations dans l'année pour être poursuivi. Des condamnations sur des grandes lignes, pas uniquement le réseau parisien, par exemple. Et c'est vrai que le parquet ne va pas poursuivre toutes les personnes. C'est vrai que pour la SNCF, l'avocat de la SNCF l'a dit, ça coûte énormément d'argent, mis à part déjà la fraude, mais aussi toute la gestion des dossiers. Donc il y a une sélection. Je crois que lundi, c'était une façon de... Et je crois qu'une campagne a été lancée par la SNCF à nouveau. Voilà, de dire stop, c'est on est capable... C'est le nom d'avocat, maître Lola. Mais votre client, il a les moyens de payer, parce qu'il va falloir qu'il vous paye déjà. Non, parce que j'étais commise d'office. Ah, commise d'office. Oh, mais vous trouvez ça passionnant, alors, de défendre comme ça des fraudeurs ou des fraudeuses?
Non. Ça, c'est mon travail. C'est votre travail. C'est des... non, mais c'est vous trouvez quand même que ça encombre les palais de justice. Ça, voilà, ça, c'est ça le problème, parce qu'à l'audience, l'audience a commencé à 1h30, on s'est retrouvés jusqu'à 19h, 20h. On sait en plus, surtout sur ce genre de délit, que la condamnation va être prononcée. Bon, après, on dit que c'est une justice un peu mécanique. Et donc, il y a tout un projet si de réforme. Si c'est mécanique, justement, il faudrait faire un projet de réforme qui permettrait de, d'envoyer les... Exactement. Les gens directement de faire... en prison. Vous, Isabelle, réaction. Moi, tout ça me met très mal à l'aise parce que je trouve qu'aujourd'hui, début du troisième millénaire, on devrait... Les gens qui fraudent, c'est effectivement principalement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il devrait y avoir un système de transport qui soit gratuit. Ce qu'on devrait payer, c'est la première classe ou alors l'accès au wagon-restaurant, des trucs comme ça, je suis d'accord. Mais de la même manière qu'on ne paye pas pour marcher dans la rue, alors qu'une rue, ça coûte de l'argent, on ne devrait pas payer pour se déplacer. Et ça devrait faire partie des choses pour lesquelles nous autres, nous payons des impôts. Pour répondre à Isabelle Alonso, les autoroutes, c'est un peu la première classe de la route départementale que vous pouvez prendre sans payer. Exactement, voilà. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand on chiffre la perte par la SNCF, je sais pas comment ils font leurs calculs, mais j'aimerais bien voir de plus près. Ça me rappelle une de mes copines, quand elle fait un régime, elle compte ce qu'elle a mangé et puis elle compte ce qu'elle aurait bien mangé mais qu'elle n'a pas mangé. Donc elle dit, là, il y a une religieuse, je l'aurais bien mangé, je ne l'ai pas mangé, moins 500 mais calories. C'est du manque à gagner, ce que je veux ça dire n'a rien à voir. Eh ben oui, ben, si c'est du manque à gagner, y a, oui, alors, les gens moi, qui n'ont pas payé n'auraient peut-être pas pris le train, donc je ne vois pas où est le manque à gagner pour la SNCF, en dehors du fait qu'on paye les contrôleurs pour faire un travail qui finalement n'est pas socialement utile. Moi, je ne suis pas représentante de la SNCF. Donc et nous regrettons. Oui, mais ils n'ont pas voulu donc dire. D'un point de vue pratique. Et la SNCF a une très très bonne représentante apparemment. Une avocate qui... Très brillante. Oui, paraît-il. Elle est partie. Non, mais après, c'est vrai. La nouvelle loi, la nouvelle loi engorge effectivement les tribunaux, ralentit la justice. En prison, il y a déjà suffisamment de surpopulation, il n'y a pas besoin de gens qui n'ont pas payé leur billet de train dans les prisons. Et je trouve qu'il en va de la responsabilité de la SNCF, savoir au cinéma par exemple, il y a très peu de gens qui fraudent. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui fraudent, ça paraît peut-être idiot ce que je vais dire, mais dans les trains ou dans les transports publics, parce que c'est possible. Et oui. Mais avec la SNCF, tout est possible. Mais c'est vrai, non. C'est vrai, ils les laissent monter. J'ai une idée. Ah. Alors, je vous la donne. Ceux qui veulent prendre le train et qui n'en ont pas les moyens s'inscrivent à l'avance. La SNCF leur donne un costume de contrôleur. Ils font le voyage et en même temps, ils contrôlent les autres. C'est pas une idée formidable, ça? Pas mal. Tous les problèmes sont réglés en même temps. Sinon, il y aura plus de contrôleurs que de voyageurs. Ce qu'il faudrait. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves avec un train de contrôleurs. C'est génial. Merde. Ou sinon, récompenser ceux qui dénoncent, ceux qui truandent. Par exemple, on offre un billet de train à quelqu'un qui a dénoncé. Moi, je connais quelqu'un qui truande pour Le Mans, par exemple. Qui s'appelle Stevie, je pense que je peux voyager toute l'année comme ça. Sophie, vous avez fraudé déjà, vous? Ah non, jamais. Jamais. Non, ça, c'est ça. Moi, j'ai trop la trouille. Ah, j'ai trop c'est peur. Pas l'envie qui m'en manque. Ah, j'ai aucune fantaisie dans ce cas. Mais je suis peureux. Oh là là, moi, j'ai très peur. Moi, l'idée même de monter dans un truc sans habiller, mais je suis rouge comme une pivoine. Ouais. Mais je suis repérable dans le wagon tout de suite, quoi. C'est pas compliqué. Vous avez fraudé vous-même? Jamais? Non. Jamais. Même pas drôle. Hein. Mais vous avez forcément volé quelque chose ou fait quelque chose comme ça. Mais non, mais tout le monde a volé un bonbon dans une boulangerie. Déjà, une avocate, elle a forcément volé quelques clients. Pardon, mais c'est notre point commun. Je suis comique d'office. Voilà. Allez, on vous remercie, maître Cécile Crestein. Merci, au revoir. Mardi dernier est sorti Thank You Elvis, le nouvel album d'un autre King qui n'est pas mort celui-là et qui est français, Mr. Frank Michael. Ce disque, c'est une compilation des meilleurs titres de Presley mais en version française ou italienne. Par exemple, la chanson She's Not You devient Ce n'est pas toi ou encore Good Luck Charm donne Forta Fortuna. Je fais bien l'italien ? Bien. Il le fait mieux que moi. Son public, évidemment, vont dire les humoristes, a quelque peu souffert pendant la canicule cet été, mais il est plus fidèle que jamais. Alors testons ensemble l'album Thank You Elvis, accueillons The King, le roi, il ré en italien, Frank Michael. Bonsoir Franck Michael. Alors c'est vrai que nous on se moque souvent de vous, mais en même temps on est fidèles. Oui, bien sûr. Hein? On est une émission où on vous accueille régulièrement. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on vous voit de plus en plus à la télé. Oui, ça va mieux, ça commence à aller mieux. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Et là maintenant vous attaquez à Elvis. Il faut dire que c'est le 26e anniversaire, c'est ça? Absolument. De la disparition du King. Oui. C'est la raison pour laquelle vous êtes attaché à reprendre les chansons de Presley? Non. Oui, 26, ça tombe juste. Oui, c'est ça, 26, c'est important. Parce que 27, non. 23, pas terrible. Mais 26, c'est vrai que... C'est une date.
Seriez-vous en train de souligner une question très con que je viens de poser? Pas du tout, je ne serais pas. Il faut dire que vous aimez Elvis depuis tout jeune. Depuis tout jeune, ouais, depuis toujours. Vous n'êtes pas le seul. Moi, j'avoue que j'ai été surpris parce que Elvis Presley, comme ça, dans mon imaginaire, et Frank Michael, c'est deux mondes différents. Mais c'est vrai qu'on oublie que Elvis, c'est pas seulement le rock'n'roll, c'est quand même aussi des chansons d'amour, des chansons romantiques, des chansons langoureuses et des slows sur lesquels on a tous dansé. Oui, 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 c'est ça. C'est sur les slows, d'ailleurs, que j'ai sélectionné. Et des chansons style un peu crooner, parce que bon, Presley, c'est inimitable. On ne peut pas chanter toutes les chansons de Presley. Quand même, vous le faites pas mal. Merci. Non, non, franchement, je m'attendais à pire, hein, je vous jure, vraiment. Hein. Non, attendez, on a eu quand même des cas de reprise de Presley. Et franchement, il y a quelque chose de... C'est vous. Merci. C'est vous et c'est pas lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Comprenez-moi. Non, mais je comprends. C'est pas vache, ce que je veux dire. Non, je veux dire, moi, je l'ai chanté avec... J'ai chanté ces chansons en français, bien sûr. Mais c'est un compliment que je fais, là. Mais ça se voit, franchement. Ça, c'est un compliment. Annie, défendez-moi. Ah, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous avez gardé votre personnalité, vous avez repris du Elvis, et en même temps, ça reste du Elvis, mais c'est vous. Voilà. Merci, Annie Lemoine. D'ailleurs... Jugeons sur pièce avec un extrait de l'album et quelques images de Frank Michael à Nashville, puisque vous êtes allé là-bas. Oui. Regardons. Thank you, Elvis, merci de ce que tu as fait de ma vie. Thank you, Elvis, c'est toi qui m'as donné envie un jour de chanter. C'est les messieurs qu'on voit là. Ce sont les musiciens d'Elvis. D'Elvis à l'époque, évidemment, ils ont un peu vieilli, mais ils sont toujours aussi bons musiciens. Mais ils sont toujours aussi bons musiciens, ils font partie des meilleurs musiciens du monde. Et ils seront avec vous à l'Olympia du 17 octobre au 2 novembre. Mais j'ai la chance qu'ils sont là à l'Olympia du 17 octobre. Et ça, quand même, je tiens à le préciser, à le souligner, parce que les artistes qui aujourd'hui font l'Olympia pendant 15 jours, croyez-moi, vous les comptez sur les doigts d'une main en France et vous faites partie de ceux-là. Alors, quand même, remplir l'Olympia du 17 octobre au 2 novembre, moi je dis. Et comme vous le disiez, qu'est-ce que. Et les chansons, évidemment, ont été traduites en français. En français par Michel Mallory. Par Michel Mallory, ouais. Qui a souvent travaillé avec Johnny Hallyday. Oui, oui. Vous les avez traduites pour votre public ou parce que vous parlez mal anglais? Parce que quand vous dites « Thank you Elvis », à côté de vous, Laurent Ruquier est bilingue. Hein, donc... Non, je pense que je lui devais ça. De remercier Elvis. De remercier Elvis. Et puis, il n'y a pas que moi, parce que je pense qu'il y a des tas et tas de chanteurs, sans citer les noms, qui aiment Elvis. Ah bah Dick Rivers, il n'est pas jaloux comme un pou, Dick Rivers? Je ne sais pas. Ah, je suis sûr qu'il est vert, là, devant sa télé. Non. C'est moi qui devrais être là. Ah, si. Ah, si vous flingue dans la rue, Dick Rivers, soyez pas surpris. Hein. Ah non, moi je le sais, il vous en veut. Hein. J'ai Coco, ma maquilleuse, qu'il connaît très bien. Elle m'a dit, mais il est vert, Dick Rivers. Frank Michael me pique mes chansons. Non, mais c'est pas ses chansons, là. Ah si, bah dis ça, moi. Ce sont les chansons d'Elvis. Enfin, il va vous péter la gueule, quoi. Ma frère, Dick Rivers, c'est quand même le fils pas spirituel d'Elvis Presley en France. Oui, mais enfin, il faut peut-être aussi souligner qu'il y a, Johnny, il y a Eddie Mitchell aussi. Dalida. Non, mais c'est vrai, le loup, non, mais il n'a pas les chaussures et tout ça. Vous allez adopter le style aussi. Il n'a pas les chaussures, qu'est-ce que vous racontez? Non. Il n'a pas les tiags. Non. Il n'a pas les chaussures. Vous n'avez, c'est pas bien, vous n'avez pas mis les chaussures d'Elvis. Ils ne font pas la même pointure. Non, voilà. Merci. Voilà. Merci. Je suis là pour vous défendre, moi. Non, la coiffure, il y a quelque chose, mais. Tiens bon, Francky, tiens bon. Alors, vous avez écouté l'album. Tiens, quelqu'un qui aime Elvis, j'en suis sûre, Isabelle Alonso. Alors, comment vous avez trouvé ça? Eh ben, au début, je me dis, mais pourquoi j'écouterais ça? Pourquoi est-ce que je mangerais des œufs de limpe si je peux avoir du caviar au départ par rapport à Elvis, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en fait, je l'ai écouté, franchement, ça tient la route. C'est exactement ce que vous avez dit, c'est honnête, parce que vous ne cherchez pas à faire du Elvis, vous faites votre truc à vous, avec des chansons qui sont magnifiques. Alors, je trouve que c'est bien, moi j'ai bien aimé. Ben voilà, vous voyez, réussi. Péricochard. Alors, moi... Je trouve ça, franchement, top ringard. Mais à côté de ça, je trouve que c'est très sympa. Je l'ai écouté et je le réécouterai pour d'autres occasions. Et vous, Stevie? J'ai écouté, c'était invivable. Non, c'est... Non, maman, c'est pas...
pas du tout mon répertoire. Et puis, j'ai quand même essayé d'insister à la deuxième, et puis là, je pouvais vraiment pas. Mais bon, comme vous faites l'Olympia et que vous avez de nombreux disques d'or, tout ce que je vous souhaite, c'est un jour d'avoir des disques de platine. Voilà, c'est tout. Voilà. Okay, merci. Très bien. Merci. Ça sort bien, le film. Ça sort bien. Vous avez une carrière internationale, vous, en plus. Apparemment, vous êtes un ami intime de Berlusconi, donc on aimerait en savoir plus. Je connais très bien Berlusconi. Ah, comment va Silvio? Disons que je ne le vois pas tous les jours. Mais c'est lui qui vous a aidé en Italie pour, parce que vous avez bien percé en Italie. Oui, en Italie. Ou est-ce que c'est vous qui l'avez aidé pour enregistrer un album? Non, pas du tout. Non. Non, parce que vous l'avez conseillé. Mais là, c'est Bocelli, je crois, qui produit son album. Oui. C'est que Silvio Berlusconi se lance dans la chanson. Hein. Il sort un disque. Ça, vous le savez, ça. Il vous en a parlé? Non, parce que... S'il pouvait en profiter pour lâcher la politique. C'est vrai que mon premier photoroman en Italie, il y a 15 ans de cela, c'est grâce à Berlusconi. Un photoroman, c'est quoi ça? Oui, c'est un ciné-roman. Il ne connaît pas ça, Stevie, c'est pas son époque, un roman photo. C'est la même chose que les sitcoms, les conneries que tu regardes sur TF1, c'est pareil. C'est quand il y a une image figée comme ça, c'est... Jean-Luc était amoureux de Berry Cochin, voilà, c'est... Mais il ne peut pas connaître ça. Bon, vous serez en tournée dans toute la France après l'Olympia, autant le dire. Je n'ai pas donné toutes les dates parce que vous n'arrêtez pas, vous. Hein? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de dates. 8 novembre à Bruxelles. À Bruxelles. C'est tout de suite après l'Olympia. Ensuite, il y aura Lille, Auxerre, Amiens, Reims, Toulon, Nice, Toulouse, Montpellier, Marseille, Dunkerque, Mulhouse, Rouen, encore Nancy, Strasbourg. Je ne vais pas tout dire. Mais en tout cas, vous n'arrêtez pas. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne tournée, un bon succès. Merci. Avec ces reprises en français des tubes d'Elvis, The King. Merci, Franck Michael. Merci, vous. Hier se sont terminées les 7e assises nationales des déchets. Alors rien que le nom, ça donne pas envie évidemment, hein. Mais c'est vrai, on va pas y aller pour ce week-end. Mais pourtant, elles sont primordiales ces assises-là, puisqu'elles tentent d'enrayer la prolifération des déchets. Et les Français, comme la télé, en produisent de plus en plus de déchets, à raison de 1% en plus tous les ans. Et particulièrement, les lingettes jetables font partie des produits qui gonflent les chiffres des déchets. Il faut donc trouver des solutions. D'ailleurs, Madame Bachelot en a une. Elle préconise de bouffer les emballages au lieu de les jeter. C'est une solution. Dan Bolander, toujours prêt pour faire l'ordure, a testé pour nous restituer les déchets à leur domicile. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréot. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé restituer les ordures à domicile. Hey, tiens. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est pour vos poubelles, parce que vous savez que les décharges sont pleines. Les décharges sont pleines, alors qu'est-ce qu'on en fait? En fait, voilà, le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé de vous rendre vos poubelles. Pas à moi, ça. Vous devez en fait les garder pour 10 jours, et nous, on revient dans 10 jours les prendre. Et puis, on va... Foutre le feu, moi. Et puis, il y a les autres. Ok, Pierrot. On va les déverser là. Ah, mais moi j'en veux pas, démerdez-vous, j'en veux pas moi. Non, mais vous les stockez ici pour 10 jours. Ah, moi j'en veux pas. Débrouillez-moi, j'ai pas. Et moi j'ai pas. D'abord, je n'ai pas de grand sac comme ça, je n'ai rien. C'est pas à moi ça. Ah, ben je sais pas vous. Ah, mais débrouillez-vous, c'est pas à moi ça. Ok, tu apportes les poubelles. C'est pas à moi ça. Non, j'en veux pas. Qu'est-ce que vous me dites? C'est pas à moi ça. Bon, vous êtes têtu quand même. Non, si frère, le mieux c'est. Non, c'est non, pas. Vous êtes têtu, c'est moi, pas. Moi j'essaie de trouver une solution alors. Foutez ça dehors. Foutez ça dehors, moi je m'en fous. Mettez-la à côté si vous voulez. C'est à côté chez le voisin? Ben oui, c'est chez le voisin. Eux, ils ont un gros débit, ils sont nombreux, c'est sûrement eux. Ok, vas-y, Pierrot. Ok, bon. C'est pas vrai, mais... On vous les met là, ça vous va? C'est pas vrai, moi, je vais avoir une visite de jardin, là, dans les journées du patrimoine, et c'est ça que je vais exposer. Non, mais vous foutez de la gueule du peuple, là. Ce sont vos poubelles, quand même. Mais non, ce sont pas mes poubelles, j'ai jamais mis de poubelles dans des sacs noirs, jamais. Bon, vous les gardez une dizaine de jours? Non, rien du tout. Vous vous démerdez avec ça, moi, ça va être vraiment fou. Bah non, ne les mettez pas dans la rue, parce que... Les gens, on s'en fout, mais non, parce que... on n'en veut pas. Sortez-les poubelles. Sortez-les poubelles. Encore. Stop. Jean madame, on vous rapporte vos poubelles. Donc là, on vous ramène vos 13 poubelles. D'accord. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Là, on n'a pas de place dans les décharges, bonjour monsieur. Voilà, donc là pendant 10 jours. Là-bas, c'est pas. Je vais pas les mettre dans mon salon quand même. En fait, vous allez devoir les garder 10 jours. 10 jours? Ouais. Le mieux, c'est que le camion recule et qu'on déverse ici. Faut pas déconner, c'est pas une. Vous allez déverser le camion chez moi? Oui, parce qu'attendez, il y a plein de poubelles. Non, mais je suis pas une décharge, excusez-moi. Non, mais ce sont vos poubelles. Mes poubelles, faut pas déconner. Ce sont vos poubelles, ça. On
Ah bah certainement pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Bon. Vous remballez vos merdes, faut pas déconner. Bon, bah, vous les gardez parce que. Bah, je les garde. Si vous mettez les merdes des autres chez moi, et moi je les garde. Non, mais c'est ça, et qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être vos voisins qui ont vos poubelles à vous. Mais donc... moi j'en ai rien à foutre, je vais pas aller faire le tour aller chez les voisins, c'est à vous de le faire, c'est pas à moi de prendre les poubelles des voisins, voyons. Bah, soyez solidaire avec vos voisins. Je suis pas solidaire de toute la merde du quartier, voyons. Sophie, vous aimeriez qu'on vous ramène vos ordures? Bah écoute, surtout qu'elles seraient beaucoup plus importantes que celles-là. J'en ai pas mal derrière. Vous triez, est-ce que vous triez, vous? Oui, je fais des avis de déchets réguliers. Très joli. Et vous, Stevie? Bah moi, dans ma cuisine, moi j'ai trois bacs. Et ah bah ça se voit pas quand tu tries. Je trie. C'est un scoop. Mesdames et messieurs, Stevie a trois bacs. On va peut-être démarrer. Hein. Il est temps effectivement de recevoir notre invité pour parler avec nous de ces déchets et de ces fameuses lingettes qui polluent, on ne le dira jamais assez. Accueillons une chercheuse au Centre de Recherche et d'Information Organisation de Consommateurs. Voici Madame Muriel Piazza. Bonsoir, bienvenue, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Alors, vous êtes pour ou contre la fameuse lingette, vous? Plutôt contre. Plutôt contre. Vu mes activités dans le domaine du développement durable. Alors, on voit, hein, on a vu les chiffres cette semaine, on voit cette photo, les déchets que les Français, pas seulement les Français d'ailleurs. Et il paraît qu'effectivement, ces lingettes ne font qu'accroître le problème, c'est vrai? Alors, il y a un gaspillage au départ de matières premières, puis tout c'est... Toutes ces lingettes, il faut les transporter, donc il y a un gaspillage d'énergie. Et puis finalement, on les utilise une fois, on les jette directement à la poubelle. Et en plus, ça coûte cher. Vous êtes donc pour c'est la bonne tout à fait serpillère. Idiot. Oui. Vous en avez là des lingettes, hein? Oui, oui. Montrez-moi ce que vous avez amené. C'est une petite sélection. Ça, ce sont des lingettes anti-transfert de couleur. Donc on mélange tout le linge dans la machine à laver. Et ça... empêche le transfert des couleurs. Je connaissais pas, c'est génial. Ça ne marche pas tout à fait bien. Ah, bon, alors je les rends. Non mais attendez, c'est génial parce savoir... que si vous mettez toutes les couleurs de linge dans la même machine, vous allez faire moins de machines, donc vous allez utiliser moins d'eau, moins d'électricité. Si vous allez... Il suffit de mettre du vinaigre dans l'eau et ça fait exactement pareil et c'est pas cher et ça pollue pas. Mais ça pue. Non, c'est au rinçage, c'est éliminé, vous en mettez pas de problème. Un tout petit peu et après c'est rincé. C'est... Un peu d'huile, de la vinaigrette. Un petit peu d'huile d'olive, mais ça c'est pour le parfum. Les lingettes pieds fraîcheurs. Les lingettes pieds fraîcheurs. Ça soulage et ça tonifie en un seul geste. Moi je voudrais essayer. Ah, c'est comme le patch, ça s'ouvre. J'ai une question. On peut très bien remplacer certaines lingettes, ou toutes les lingettes, par un geste moderne. Parfait. Par exemple, pour les bébés, les fesses de bébé. Expliquez-moi, quel est le geste moderne que vous préconisez à la place de ça, la lingette? C'est la seule utilisation de lingettes qui est encore compréhensible quand on se trouve loin de toute infrastructure. Mais indispensable, vous voulez dire, quand vous avez des mômes. Enfin, moi, j'ai fait ça au gant de toilette et à l'eau. Il y a des gens qui... T'imagines le bordel que c'est chaque fois? Bah, tu laves. Mais c'est pas du bordel, c'est tu laves. T'as des gosses, toi, pour laver? Non, mais quoi, tu mais non, mais non, mais quand t'as des mômes et que tu dois les changer X fois par jour, il n'y a rien de plus formidable que le geste lingette. Ce petit truc qui évite, de se laver les pieds, je trouve ça formidable. Non, vraiment, c'est génial. Mais alors, dans le même esprit, j'ai le papier toilette humide pour une utilisation après le papier toilette sec. Ah. Donc on n'est jamais trop prudent. Ah ça c'est en plus du PQ. Oui, 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 c'est en plus. Ça, c'est génial. En plus du PQ ça. En plus du PQ. Je sente aussi, attendez. Hey, tu veux pas nous l'essayer, Laurent? On est là pour tout essayer. Si c'est bon pour mon cul, c'est bon pour mon pied. C'est sûr. Ah ça sent un peu, Yann. Ah ça sent pas comme pour le pied. Ah, ça sent la rose. Ça, j'avoue que ça doit pas être désagréable. Ah non. Elles coûtent cher, toutes ces lingettes. Ouais, elles coûtent très, très cher. Par exemple, les lingettes classiques dont on voit beaucoup de publicité à la télé, pour le nettoyage du sol, c'est un petit balai sur lequel on accroche une lingette qui est aussi épaisse qu'une serviette hygiénique, avec un flacon de produit. En fait, si on utilise ça chaque semaine pour son nettoyage hebdomadaire, ça revient à 223 € par an, je pense, par ménage. Et on produit 6 kg de déchets supplémentaires. Alors que c'est facile de nettoyer par terre avec un tampon. La lingette anti-moustique, ça pour les vacances l'été prochain. Hein? Ça, je vous dis, ça c'est pratique. La lingette nettoyante pour les cuvettes de toilette. Ah oui, ça c'est vachement bien. Ben oui, parce qu'on peut se promener, chez vous. Bon, vous... C'est un peu encombrant pour mettre dans son sac à main. Moi, écoutez, non, pas dans son sac à main. Vous allez aux toilettes discrètement.
Moi, sincèrement, j'utilise des serviettes démaquillantes, mais après ça, je me fais les pieds, ensuite, je fais le tour des toilettes et je nettoie par terre s'il y a des gouttes. Je fais tout, j'amortis sur une. Et quand vous faites l'inverse, ça donne quoi? Pour ou contre les lingettes? Tout de suite, lançons un débat. J'ai demandé à Jean-Luc Lemoine d'être pour les lingettes et à Isabelle Alonso d'être contre. On commence par Jean-Luc. Je suis pour et pour plusieurs raisons. Primo, l'aspect linguistique. Lingette est certainement l'un des plus beaux mots de la langue française. Si il n'y a plus de lingette, ce mot va tomber en désuétude, il va disparaître. Est-ce qu'on veut un appauvrissement de cette belle langue que chantait si bien Yves Duteil? Je ne crois pas. Secondo, l'aspect pratique. Avant, on attendait que la maison soit bien crado avant de nettoyer, parce qu'on avait la flemme de sortir la serpillière. Maintenant, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Enfin, je parle surtout des garçons célibataires. Parce que pour les garçons célibataires, il y a deux sortes de salles de bain. Les salles de bain dégueu et les salles de bain très dégueu. Donc là, c'est quand même une avancée formidable. Et moi, personnellement, je prends plus de douche. Je me lave à la lingette. Donc j'économise de l'eau. Troisio, l'avenir. Je pense qu'il faut même développer la lingette. C'est l'accessoire de l'homme moderne. On va tous mourir. Mais non, pas du tout. Je suis même pour la lingette au beurre qu'on mettrait directement dans le sandwich. Ça serait quand même très, très pratique. J'ai pas bien compris la chanson à laquelle vous faisiez allusion d'Yves Duteil. C'est « J'ai la lingette qui me démange », c'est ça? Prendre une lingette par la main pour nettoyer la salle de bain. C'est formidable. Isabelle Alonso, vous êtes contre la lingette? À ma gauche, un gant de toilette. Classique, de bon ton, 20 grammes de coton. Je l'ai acheté il y a une dizaine d'années pour quelque chose qui doit ressembler à 2 euros chez un grand distributeur scandinave. Et ici, une lingette. Vous allez me dire apparemment, modernité, ringardise. Sauf que, comme je vous disais il y a un instant, 3 euros il y a 10 ans, vous imaginez pas, elle en a vu toutes les couleurs, hein, celle-là. Enfin, ce gant de toilette. Et puis, ici, vous avez la lingette. Apparemment, ça a l'air moins cher puisqu'on peut en acheter 25 pour 4 euros. Sauf que c'est toutes les semaines. Et après, quand ça se jette, ça crée des monceaux et des monceaux de tonnes de déchets. Alors, si vous voulez continuer à vous faire arnaquer à long terme par les lingettes, parce qu'il y a des lingettes pour absolument tout, dites-vous bien que vous serez propre comme un sous-neuf dans un portefeuille sale, ou alors que vous serez nickel dans un dépotoir, parce que la planète sera dégueulasse. Et la seule solution à ce moment-là, ça sera de créer des lingettes méga, hyper, super géantes et intergalactiques pour nettoyer la planète. Et il faudra mettre ça sur les lingettes. Parce bravo, que les lingettes tuent la planète. Pourquoi ils sortent toutes ces marques? Pourquoi? C'est un produit marketing qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire c'est un produit confort, mais qui a le désavantage de créer beaucoup de nuisances pour l'environnement. Alors si on passait aux lingettes pour l'hygiène quotidienne, pour le nettoyage de la maison, eh bien on arriverait à une production par ménage de 58 kilos par an, et ça coûterait plus de 1200 euros, je pense, par an, par ménage. 58 kilos par foyer, vous voulez dire? Par foyer. Supplémentaire. Supplémentaire. Mais... donc, on multiplie ça par 24 millions de ménages en France. Ça fait des chiffres astronomiques. En tout cas, on vous a trouvé, nous, très emballantes. Merci, Muriel Piazza. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Mercredi prochain sortira dans toutes les bonnes salles de cinéma Jeux d'enfants, un film de Yann Samuel avec, entre autres, Marion Cotillard et Guillaume Canet. Ce sont les deux rôles-titres du film. Le film débute alors qu'ils sont encore enfants, mais évidemment, ce sont des jeunes comédiens au départ qui interprètent leur rôle. Et puis après, ces enfants qui s'inventent un univers pour jouer, pour s'amuser, pour échapper à la réalité, eh bien, ils grandissent et ils deviennent Guillaume Canet et Marion Cotillard. Leurs jeux deviennent même un peu dangereux, sauf quand ils jouent au docteur, peut-être à un moment. Pour tester ensemble Jeux d'enfants, un film qui sort mercredi prochain et que moi, personnellement, d'ores et déjà, je vous conseille. Voici sur notre plateau Marion Cotillard. Je ne sais pas ce que vont dire mes petits camarades du film qu'ils ont vu. Moi, en tout cas, je vous le dis d'avance, j'ai adoré ça. C'est un plaisir, c'est un régal. On s'amuse, c'est plein d'émotions, c'est une superbe histoire d'amour en même temps. Vous avez déjà joué d'aussi belles histoires d'amour? J'avais déjà joué des histoires d'amour, mais pas des comédies romantiques comme ça. Enfin, voilà, Jeux d'enfants, c'est vraiment une vraie comédie romantique qui détourne quand même un peu les règles de ce qu'on appelle la comédie romantique. C'est pervers un peu quand même. Hein. C'est cruel, ouais, parfois. Cruel. Très cruel. Drôle et cruel à la fois. Jeux d'enfants, bande-annonce. Cap ou pas cap? Moins 3M au carré, moins 2M plus 1. Embrasse-moi.
je voudrais me marier. T'es d'accord? Elle est d'accord. Bravo. Tu as été témoin à mon mariage. Julien Antoine Janvier, consens-tu à prendre pour épouse Christelle Louise Bouchard? Julien? Ah, oh, c'était juste une blague. C'est quoi ça? Julien, je peux bouger? Je voudrais qu'on parle en oubliant le jeu. Rien qu'une fois. Sophie! Sophie, je t'aime! Jeu d'enfant, mercredi sur vos écrans. Un premier film, signé Yann Samuel. De bons débuts pour lui, hein? De bon début, ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément de talent. Moi, quand je l'ai rencontré juste après avoir lu le scénario. Et il collait tellement à ce que j'avais lu. Et, vraiment, j'ai vu l'univers à l'intérieur de lui. Ça fait peur parfois aussi, ce film. Moi, je dis, on rit, puis après avoir ri, moi, je dis, mais quand même, c'est tellement cruel pour ceux qui sont autour parfois. Parce que leur petit jeu à ces deux enfants et à ces deux adultes plus tard, et, eux, ça les fait rire, ils s'amusent à jouer à. Faut sans, pas dire ça, on peut dire quand même, cap, pas cap, c'est le principe du film. Hein. Ils se lancent des c'est défis vrai. Tout le long du film, et ces défis qui les amusent, eux, sont parfois vraiment très cruels pour les. Ça les fait souffrir aussi, très souvent. Effectivement, oui, non, ils sont rentrés dans un système duquel ils ont du mal à sortir. Bien sûr. Ils vont en être victimes eux-mêmes. Et ils vont en être victimes eux-mêmes, mais il y a quand même énormément d'amour et moi je les trouve assez drôles, même dans la cruauté. Voilà. Ça transpire l'amour, mais ils ne le vivent pas finalement, c'est ça qui est terrible. Oui, ils mettent du temps à y aller. Annie Lemoine. Magnifique, vraiment magnifique. C'est la version moderne du Ni avec toi, ni sans toi. C'est un film sur la passion amoureuse. C'est un film rare, faut courir, faut y aller. La salle était debout au Rex à la présentation lundi soir et vous a applaudi pendant 10 minutes. Moi aussi, je pleurais, j'étais debout. Je trouve ça mais extraordinaire. C'est un film fabuleux. Stevie. Ah bah moi, bah, je suis carrément tombé sous le charme. J'étais plutôt surpris et agréablement surpris. Alors moi, quand j'ai regardé ça, au niveau de Yann Samuel, le réalisateur, je trouve qu'il a un peu, dans sa façon de filmer, un rapport avec le réalisateur d'Amélie Poulain. Par moments, c'est le même style de film, avec plein de petits trucs, des effets de caméra, comme ça. Au niveau de l'histoire d'amour, la dernière belle histoire d'amour que j'ai vue, c'était dans Titanic. Et bien là, j'en ai revu une seconde. Et je suis sûr que c'est un film qu'il faut regarder plusieurs fois, parce qu'il y a plein de détails, ouais. Je suis sûr qu'on ne voit pas à la première vision. Et cap ou pas cap, je peux vous embrasser. Ah, d'accord. Ah. Si on m'avait demandé ce que j'avais pensé du film à la sortie de la projection, j'aurais dit que j'ai vachement aimé. Et plus j'y pense, moi j'en suis sûr. Parce que finalement, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le film, c'est que je ne me suis pas attaché à vos personnages parce que moi, les adultes, ils sont dans un processus d'autodestruction et donc j'avais envie de les claquer et je ne me suis pas du tout attaché à eux. Donc finalement, pourquoi, je me dis, mais pourquoi j'aime alors? Pourquoi j'ai aimé? Et parce que vous jouez très bien. Parce que c'est bien réalisé, les dialogues sont ciselés. Ah, les dialogues sont formidables. Ils sont formidables, mais finalement, dans ce processus, comme j'ai trouvé le récit assez déshumanisé, et donc tous ces dialogues ciselés et cette belle réalisation, j'ai trouvé que ça tournait à l'exercice de style au bout d'un moment. Mm-hmm. Donc j'ai aimé mes moyens. Pas du tout, pas du tout. J'ai le droit d'avoir mon avis. La petite note négative de Jean-Luc Lemoyne. Non, mais je suis désolé. Il va se faire. Non mais il était les yeux dans sa femme, elle était à côté de lui, il était les yeux dedans, t'as pas regardé le film. Mais non mais il a pas aimé la fin du film, voilà, c'est non, tout. C'est comme ça la sortie d'un cinéma. C'est pour ça qu'il faut aller au cinéma, c'est parce qu'à la fin on s'engueule toujours. Non mais en plus, je veux dire la vérité, lundi quand je suis sorti, j'étais plus enthousiaste et en y repensant, en tout cas le mérite du film c'est que j'y repense. Bah finalement j'aime moins. C'est marrant, je vous imaginais beaucoup plus pet sec, un peu comme dans le film. Vous êtes beaucoup plus douce. Beaucoup c'est-à-dire plus... que les comédiennes, hein. Ouais. Mais... On va faire un café dans le monde. Je peux être aussi pète sec, mais là, je... Elle est plus flan que tyran, aujourd'hui. Voilà, pour reprendre une des expressions. Oh non, mais alors merci, je suis flan. Mais non, mais je fais référence au film, évidemment. Non, vous êtes le flan dans le film. Oui, oui. Bon. Vrai, je suis un flan. Vous savez ce que fait Guillaume Canet mercredi après-midi? Mercredi après-midi... Oui. Je voudrais l'amener goûter au jardin d'acclimatation. Je le trouve très mignon, moi, il me plaît beaucoup. Il est très mignon, effectivement. Il sourit avec les yeux, c'est craquant. Voilà, vous direz, s'il va pas au chocolat, je suis prête. D'accord, mais je pense qu'il aura quand même du travail mercredi après-midi.
Vous allez aller en salle voir le film mercredi? On va voir, ouais, peut-être, pourquoi pas. Et les réactions, pour l'instant, vous l'avez évidemment diffusé déjà devant du public en province? Ouais, on a fait la tournée province et les réactions sont vraiment belles. Les gens sortent émus. Et c'est vrai que c'est une histoire d'amour très particulière que moi, j'ai adoré tourner, que j'ai adoré voir aussi. Mais effectivement, je n'aimerais pas la vivre. C'est marrant, ça me fait penser un peu à Fanfan. Mais oui, évidemment. Sauf que Fanfan, c'est du pipi de chat à côté. Oui, quoi. Mais il y a le côté, il faut toujours essayer de piquer un peu l'autre pour que l'amour continue à... Non, je comprends pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous êtes une routinière de l'amour. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que j'ai aimé. Non, mais c'est pour ça que j'ai aimé. Voyez-moi surpris. Non, mais c'est pour ça que j'ai adoré cette histoire, parce que justement, il y a du piquant. Oh là 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 là, je sens que ça va déraper. Non, mais je suis complètement... Pas vous, Félix. Mais non, c'est sûr, ça fait 18 ans que je suis avec mon mec et ça ne durait pas si on se faisait chier toute la journée, mais là... Mais pas à ce point-là. Ouais, alors mais que voilà, tu te fais chier toute la nuit. Non plus, jamais. Non, mais pas comme ça, parce que je trouve qu'ils la vivent pas pleinement, cette histoire, et que c'est... Mais t'es folle, ils la vivent vraiment pleinement, simplement ils supportent pas l'idée qu'elle vienne. Non, c'est folle, ils vont porter des jugements comme ça, on a le droit de s'exprimer quand même. Ça va tomber depuis... Moi je suis comme Annie, moi j'aimerais bien vivre une histoire d'amour comme ça. C'est vraiment pas, avec des théories comme ça, elle est toujours toute seule, elle, alors maintenant... Ça c'est... Vous jugez, ça sort mercredi, ça s'appelle « Jeux d'enfance », donc entre autres avec Guillaume Canet. On peut citer quelques autres comédiens quand même, Marion Cotillard, oui. Les noms des enfants peut-être. Joséphine Lebas-Joly et Thibaut Varag, les dames d'abord. Voilà. Voilà, il y a Julia Faure, Laetitia Venezia. Le mari footballeur. Elle est bien, le mari footballeur, Gilles Lelouch. Qu'est-ce qu'il dit, Steve? Il accuse Jean-Luc de ne pas avoir regardé le film, et lui, il est là, il dit « mais j'ai pas vu de footballeur ». Le mari. Ah bah oui, ton mari. Excusez-moi, je m'épère. Vous remarquerez quand même que Jean-Luc Lemoine, le seul moment qu'il a aimé dans le film, c'est le moment où il y avait un footballeur. Jean-Luc, je reconnais bien là le lecteur de l'équipe. Merci Marion Cotillard. Merci à vous. On va encore vous importuner quelques minutes. Ah oui, on fait un petit jeu. Tiens, un jeu d'enfant, t'as qu'à finir. Presse aujourd'hui, prononcée par quelques personnalités, à vous de les compléter. C'est Ariel Wiesmann, pour commencer, qui parle de son collègue de travail sur Canal+, Stéphane Bern. Et il dit « Le sens de l'hygiène de Stéphane Bern force mon admiration. Il a... » Une assistante qui lui brosse les dents. Tous ses conduits sont nickel. Non. Qu'est-ce que quelqu'un qui a le sens de l'hygiène a toujours sur lui? Une brosse à dents. Non, presque. Du machin pour se laver les mains. Dentifrice. Du déodorant. Non, presque une brosse à dents. Un peigne. Ah ben on voit que vous n'avez pas le goût de l'hygiène. Un fil dentaire. Un fil dentaire. Bravo Sophie Garel. On s'en fout de ça. Quoi? On s'en fout qu'il a toujours un fil dentaire. Non, mais tout le monde a du fil dentaire. Mais c'est pas la question. Non, mais là, t'as pas du fil dentaire sur toi. C'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle est désagréable, là. Le moine, aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est désagréable, on s'en fout, c'est pas la question. Oh, c'est reparti. Tenez, voilà, un footballeur pour vous, Marion Cotillard. Fabien Barthez, gardien de but, qui dit « La vie est belle, on fait quoi ?» Plein de pognon. Non. Du bateau. Ben non, justement, c'est plus joli que plein de pognon. On fait qu'à jouer tous les jours à la baballe. Ben, presque, c'est ça que ça on veut dire. On fait ce qu'on aime. On fait plein de cadeaux. Ouais. On fait ce qu'on aime. Allez, je vous l'accorde, on fait un beau métier. Voilà ce qu'a dit Fabien Barthez. Merci, Pierre Cochin, c'est vous qui avez gagné. Merci. Et ça, c'est pour vous, Marion Cotillard, c'est une comédienne. Elle parle de votre métier. Elle dit, dans ce métier, on n'a pas de vacances, on a... On a... le chômage. Quand on... Bravo, c'est exactement ça, on n'a que du chômage. Ah, là, là. Voilà, on voit la comédienne. Le chanteur fantaisiste Carlos a déclaré dans Gala « Je suis poisson ». On a dû lui demander son signe astrologique, j'imagine. Il a dit « Je suis poisson, c'est le liquide qui me soutient. » Et qui me bourre la gueule. Moi, je connais la suite, je l'ai lu dans Gala. Alors, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est la queue qui me... Qui me fait avancer. Voilà. Qui me dirige. Bravo, voilà, Marion Cotillard, et bravo, Sophie Garel, exactement. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Hein. Non, évidemment. Moi, je suis poisson aussi.
C'est vrai en plus. Signe du poisson. Aussi. Vous êtes de quel signe, Marion? Je suis balance. Balance, parfait. Ben, je vous souhaite un bon horoscope pour mercredi prochain pour la sortie du film. Oh, quel enchaînement. Jeu d'enfant. Un film de Yann Samuel avec aussi Guillaume Canet. Merci Marion Cotillard. Merci à vous. Bonne chance pour mercredi. On se retrouve lundi, nous, puisque c'est le week-end. Demain soir, ne loupez pas à la même heure, 18h50 jusqu'à 19h45 à peu près, la nouvelle émission de Christine Bravo. Ça s'appelle C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. C'est une nouvelle émission et je crois que Christine s'est déchaînée. Elle reprend son métier de journaliste et je pense que vous allez vous amuser. C'est demain soir sur France 2. Bye bye, bon week-end.